Bonjour, c'est Lionel et aujourd'hui dans cette vidéo, toujours avec un lever de soleil, c'est mon meilleur moment pour faire la vidéo. Je vais voir avec vous faire le bilan de la vie que vous avez aujourd'hui, de la vie que vous avez actuellement dans tous les domaines, au niveau du business, du travail, des finances, des loisirs, du couple, en amour, au niveau du développement personnel, au niveau de la santé aussi. Faire un bilan de cette vie que vous avez actuellement. Est-ce que vous en êtes satisfait? Et on va voir ensemble comment on pourrait améliorer ça. Et si vous estimez que vous n'avez pas la vie de vos rêves actuellement, on va voir ensemble comment l'améliorer là maintenant. Je vous explique cela maintenant, à tout de suite. Alors si vous faites le point sur la vie que vous avez actuellement dans tous les domaines que j'ai cités en introduction, eh bien je vais vous dire que ce sont les résultats de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez décidé surtout, il y a quelques mois, quelques années tout simplement. Alors après il y a l'autre solution, ça a été de ne pas décider, de se laisser porter au jour le jour par les événements, les situations. Et pour ceux qui sont restés accrochés à un environnement extérieur, j'allais dire, les résultats ne doivent pas être terribles parce que l'environnement extérieur n'est pas propice actuellement. Je dirais même qu'on a tendance à nous apporter beaucoup de mauvaises informations qui vont gérer sur nos pensées, influencer nos pensées, déclencher du stress, des peurs, des doutes, des incertitudes. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Là est la question. Moi j'ai ma petite idée, mais voilà, je ne veux pas développer là-dessus aujourd'hui. Toujours est-il que les résultats que vous avez obtenus à ce jour sont liés aux décisions que vous avez prises, si vous avez pris ces décisions. Et surtout si vous êtes passé à l'action, parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y aura rien. Il ne va rien se passer. Alors quand j'y prends des décisions, je reviens aux fameuses bonnes résolutions de début d'année. Ça, il y a du monde qui sait le faire, mais sauf que les bonnes résolutions sans action, il ne se passera rien et on reviendra à ces fameuses bonnes résolutions l'année suivante et ainsi de suite sans jamais trop de résultats. Donc ce n'est pas ça le but en fait, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre des décisions, passer à l'action, agir, passer à l'action. Et là, effectivement, on se ment. Grâce à ces actions, on aura des résultats, des super résultats et on va transformer sa vie, bien entendu. C'est vraiment important. Vous voyez ce lever de soleil derrière? Ça fait partie de mes prises de décision. Chaque matin, c'est de venir faire le lever du soleil. Alors, je suis déjà venu un peu avant. Il n'y avait pas encore le soleil. Il y avait le lever du soleil, mais avec des couleurs, des teintes merveilleuses. Et puis là, le soleil est arrivé. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait partie de mes décisions que je prends de venir tous les matins. Mais je sais que le fait de le faire, de me pousser à me lever tôt, j'aime me lever tôt, de venir, de sortir, il faisait un peu plus frais, mais voilà, c'est génial, ça me donne plein de bonnes énergies pour le reste de la journée. Ça fait partie de mes décisions et d'action de venir marcher sur la plage et de faire le lever du soleil. Toutes les décisions que vous prenez, que vous avez prises, ont donné ces résultats que vous avez, avec des actions bien entendu. Donc ça veut dire qu'en prenant des décisions aujourd'hui, vous allez, en passant à l'action, vous allez forcément semer et obtenir des résultats. Alors bien souvent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on a un problème. Le problème, et c'est un problème, on va appeler ça un problème, c'est qu'on ne va pas passer à l'action tout simplement. Parce qu'on a les peurs, parce qu'on se dit « oui, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire ?» Et puis il y en a d'autres qui disent « ouais, mais si je réussis, qu'est-ce que les gens vont dire ?» C'est l'inverse, mais ça existe. « Je suis trop vieux, je suis trop jeune, on rentre dans les croyances, etc. » bien souvent. Alors pour ça, il existe une solution. Une solution, mais est-ce que vous allez le faire? C'est la question. Parce que là aussi, cette solution va vous imposer de passer à l'action pour le faire. Et si vous ne passez pas à l'action, au moins pour faire ce que je vais vous indiquer, il n'y aura pas de résultat, au moins par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez. Alors les décisions, prendre des décisions, c'est comme se fixer des objectifs. Vous prenez des décisions de perdre du poids, de gagner plus d'argent, d'appeler plus de prospects pour faire plus de ventes.
voilà, ceux qui sont dans le marketing relationnel, vous prenez la décision de faire votre liste des 100 noms et de passer à l'action en appelant les gens, en leur présentant votre affaire. Si vous ne faites pas au minimum ça, il n'y aura pas de résultat forcément. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est de passer à l'action. Et c'est là où ça bloque bien souvent par rapport à tout ce système de croyances essentiellement, qui est lié aux peurs, aux doutes, etc., à votre vécu, à tout ce qui vous est arrivé dans la vie finalement et qui vous bloque aujourd'hui, hein, tout simplement. Hein. Là, vous avez sûrement, je disparais peut-être parce qu'il y a le soleil derrière. Et en fait, le but, c'est quoi? On sait qu'en passant à l'action, de toute façon, il y aura des résultats. C'est là où il y a un manque. Dans le livre Le Secret is the Secret, on vous parle de la loi de l'attraction, mais la plus importante, c'est la loi de l'action. Cette loi est la plus importante. On a beau de jouer sur l'attraction, préparer un plan, etc. Ça va jouer en votre faveur, forcément. Mais si vous ne passez pas un minimum à l'action, il y a quelque chose à faire pour accélérer le processus, forcément. L'action. Et pourquoi ça bloque? Eh bien oui, les croyances et les peurs. Donc, si vous passiez à l'action, forcément, vous allez avoir des résultats. Dites-vous toujours ça. Dans tous les cas, il y aura un résultat. Même si vous échouez, les échecs sont des tremplins. Donc, ça vous donne déjà un résultat. Et l'échec, c'est à vous de ne pas le répéter, de reconduire et de le refaire, tout simplement. Et puis, forcément, vous allez avoir des bons résultats. Alors, effectivement, comment passer à l'action? Oui, puisque c'est ça qui bloque, puisque c'est ça qui dérange, puisque c'est ça qui fait que vous n'obtenez pas les résultats, lorsque vous avez pris des décisions, eh bien, il existe une solution. La solution, sachant que passer à l'action donnera un résultat, c'est de vouloir passer à l'action. Il vous suffit, dans ce cas-là, de visualiser le résultat que vous désirez. Visualisation, visualisation, visualiser le résultat que vous désirez. Alors moi, aujourd'hui, j'utilise mes lunettes, mes fameuses lunettes, et c'est vrai que j'ai des programmes le matin sur le futur, les finances, la réussite, la confiance en soi, le programme de méditation, etc. Bon, voilà, ces programmes-là m'aident. Quand je les mets, je me laisse guider, même si je suis complètement fatigué, parce que je me lève tôt le matin, je me mets mes lunettes, j'allume, boum, ça y est, et le programme se met en place, et je visualise, j'imagine, je ressens, je suis dans les émotions, je me sens tellement bien que forcément j'accélère le processus pour atteindre mon résultat. Peu importe la taille du résultat, une fois que vous avez un résultat, allez, on va parler argent, vous avez souhaité 5 000 euros par mois, et vous obtenez 3 000 euros. Bon, c'est pas trop grave, on va les accepter, ouais, allez, on va les prendre quand même. Et bien après, il suffit d'améliorer, de recommencer et vous repasser à l'action. Maintenant, vous avez, la croyance va tomber, forcément, vous avez eu un résultat, vous savez que ça marche. Alors, en améliorant, forcément, vous allez augmenter le résultat. La fois d'après, quand vous repassez à l'action, vous augmentez les résultats, forcément, c'est une obligation. Donc, pour vraiment passer à l'action sans encombre, sans être perturbé par les croyances, vous devez visualiser l'atteinte de votre objectif, j'allais dire. Vous devez visualiser le résultat que vous souhaitez, que vous désirez. Et plus vous allez le répéter en visualisant encore avec le plus de détails possible et encore, et plus vite vous allez passer à l'action, sans même vous en rendre compte, vous allez le faire parce que la barrière des croyances et des peurs va disparaître tout simplement. Et forcément, vous allez avoir des résultats. Alors, de la croyance qui vous limitait, la croyance va s'estomper, va disparaître, et à un moment donné, vous allez créer ce qu'on appelle la certitude que ça fonctionne, que ça marche, que vous y arrivez, que vous avez des résultats, que vous allez encore renforcer, encore et encore. Et là, peu à peu, ça va se mettre en place, tout simplement. Donc, lorsque vous bloquez, il vous faut travailler sur la visualisation et vous allez atteindre les résultats que vous désirez. Voilà pour la vidéo du jour. Demain, je pars pour Bruxelles. Pour Bruxelles pour un événement qui va durer 2-3 jours même, sur l'activité que je développe actuellement. Si vous voulez en faire partie, il y a de la place. Je vous laisserai un lien sous la vidéo pour me rejoindre dans l'activité. Aussi sur les lunettes que j'utilise pour visualiser avec plus de facilité. Là, j'ai le soleil en plein dans la figure. Ça va le faire quand même. Puis sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, on t'a donné cette vie pour la vivre pleinement et totalement. Et non pas pour procrastiner, ce qui arrive souvent.
Procrastiner qui veut dire reporter à plus tard, encore et encore. Et à force de reporter, bah, la vie, elle passe aussi. Et après, on arrive à la fin d'une vie. Et c'est malheureux, il faut profiter de cette vie vraiment pleinement. Voilà. Et puis sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à ciao !